amis, c'est Oxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Oxymode. Alors, dans le dernier épisode, j'avais dit qu'en hors caméra je ferais la maison. Je ne l'ai pas faite, enfin j'ai commencé à la faire en fait. Mais je ne l'ai pas fini tout simplement parce que j'ai lu vos commentaires entre temps. Et vous êtes beaucoup à vouloir que je m'installe dans ce château là-bas. Sauf pour ce que pour qu'on s'installe dans ce château, bah, va falloir qu'on défonce tout le monde dans le château. Et c'est pas ce qui est au programme du jour, puisqu'aujourd'hui on va se faire du better archery. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, better archery. J'ai eu un doute pendant un instant. Alors, donc déjà, j'aimerais bien me faire le quiver. Donc il me faudrait 3 cuirs et un string. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai le string. Est-ce que j'ai le cuir? Apparemment non. Alors, le string, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez... du cuir, please. Hop là, ça c'est fait. Par contre, du cuir, je ne sais pas où est-ce que je peux en trouver. Ah, si, je sais où est-ce que je peux en trouver. Si, c'est bon, je sais. C'est parti, on va aller chercher du cuir. Et oui, parce que dans ce petit village très joli que nous avons, il y a un élevage de vaches. Voilà. Bonjour. Ah bah, du coup, je me transforme en vache. Ah, mais est-ce que je peux les tuer ou pas, les vaches, dans cette zone? J'ai l'impression. Attendez. C'est bon, j'ai assez de cuir. Oui, j'ai assez de cuir, ok, impeccable. Hop, et hop, ok, en plus c'est le bordel là-dedans. Il va plus voir, je le sens. D'accord. Il est peut-être pas content que j'ai tué les vaches. C'est fort possible. Bon, c'est pas grave. Ceci étant fait, je vais pouvoir faire le quiver. Tac, impeccable, un quiver. Que je dois pouvoir m'équiper ou une connerie du genre. Ok, et là-dedans je peux mettre mes flèches. Ok. On va voir d'ailleurs si je mets les flèches là ainsi que les flèches là. Merde, viens ici. Hop. Si je mets ça et je mets ça. Si je fais V. Ah ouais, mais attendez, c'est utilisé par les. Ok. V. Ok, les flèches utilisées, là, ce sont les flèches normales. On est d'accord. Ok, hop, donc ça, ok. Impeccable. Alors par contre, vu que la touche est déjà utilisée, je vais gérer ça plus tard. Alors maintenant, il va nous falloir un arc. Alors, on a le recurve, le instrument, le longbow ou le instrug longbow. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ces arcs? Pour faire un longbow, il nous faut un arc, du bois, une ficelle. Pour faire un recurve, il nous faut un... Ouais, d'accord. Ok, donc écoutez, ce sont des arcs très simples à faire. On va faire le longbow. Donc il va nous falloir une ficelle. Ah ouais, mais il va peut-être falloir qu'on recommence, étant donné que celui-là est déjà un peu abîmé. À moins que j'ai d'autres arcs. Oh bah c'est bon, j'ai de quoi faire en fait. On va prendre tous les sticks. Tac, tac. Alors on va tester, mais je pense qu'il va me falloir un arc neuf. Donc on va bien voir. Recurve. Ah ouais, non, mais non, moi c'est le longbow que je veux. C'est comme ça, ok. Tac. Ou ça va me donner un longbow un peu abîmé. Et bah écoutez, ça va donner un longbow un peu abîmé. Voilà. Donc ça, c'est fait. Là, on a le longbow, d'ailleurs, qui est long. Il est assez classe, ça va, il est sympa. Tac. Or, à mon avis, les flèches doivent faire bien mal. On va tester ça tout de suite. Ça m'étonnerait pas que je one-shot un animal. J'ai pas envie de tuer les moutons. Bon, allez, on va tuer un mouton. On va tuer un mouton. Allez, on va tester sur toi. Tu as 10 points de vie. Et bah, tu es mort. One-shot. One-shot sur le mouton! Ok, bon, bah écoutez, on a un super arc. Génial.
Ça, je vais le déposer. On a plein de bouffe, c'est absolument n'importe quoi. Alors, vous allez me demander, Waxy, comment ça se fait que t'as un truc en diamant et tout? Tout simplement parce qu'en fait, on n'avait pas fini le donjon totalement et je l'ai continué. Voilà. Il y avait un boss en fait à la fin et tout, donc on le fera sur le donjon là-bas. Alors, du coup, l'arc étant crafté, peut-être qu'on pourrait crafter quelques petites flèches qui iraient bien. Mais à mon avis, il faut voilà, des popos. Et pour commencer vraiment à faire des popos, il faut aller dans le Nether. Alors par contre, ça, si je ne me trompe pas, par contre, il faudrait qu'on crafte des flèches. Il nous faudrait quelques flèches, mais je sais pas si je vais avoir... J'ai ça... Déjà, on peut crafter quelques flèches. Hein. Tac, tac. Ok, impeccable. Bah écoutez, 28 flèches, ça me suffit amplement. On va mettre ça là-dedans. Tac. Ah oui, c'est que par 16. Ok, bah écoutez, ça c'est fait. Bon bah voilà. Oula, j'ai cru qu'ils construisaient près de chez moi. J'allais dire non. Don't touch my house. Maintenant, ce qui pourrait être sympa de faire, ce serait du Pokécycle. J'aimerais bien crafter un vélo. Alors pour les Pokécycles, voilà, donc là par exemple celui-là, il va nous falloir deux roues, ça, il va nous falloir tout ça. Là il faut du cuir, là il faut du cuir et une laine, là il faut des laines. Il faut tout ça, donc il va nous falloir pas mal de ressources. Donc je pense que j'irai récolter les ressources en hors caméra, sinon ça va pas être très très intéressant. Et donc je vous propose... qu'on aille commencer ce nouveau donjon pour pouvoir avoir une vraie maison, étant donné que le village va se rapprocher dangereusement de nos coffres jusqu'à nous anéantir, tout simplement. Ah, d'ailleurs, oui, j'ai eu un CD aussi. Je vais le déposer dans mes coffres. On va faire ça tout de suite. CD, ok. C'est posé. Je sais comment, d'ailleurs, ici. Je sais pas du tout, c'est très bizarre. Il va falloir que je change les touches. Alors, d'ailleurs, c'est quoi comme flèche que j'ai dedans? Wakeness, d'accord. Donc ça les fait taper moins fort. Alors là, on peut voir déjà que là, on a un petit spawner. Enfin, en vrai, il va se transformer en mob, mais voilà. Ok. Non. Don't touch me. Non, prends pas ta popo. Eh, bratard. Ok, ça, c'est fait. Par contre, il va me falloir peut-être une deuxième épée. Ok, ça, c'est fait. Ok, t'as volé bien haut. Pas la popo. Pas la popo! Ok. Ça au moins, c'est fait. Par contre, je pense qu'il va me falloir une deuxième épée. Parce que sinon, ça ne va point le faire. Donc du coup, on va aller chercher vite fait une épée. Bah d'ailleurs, il va commencer à faire nuit, donc on va faire un petit dodo au passage. Histoire d'être vraiment tranquille et de pas avoir de problème de mob cette nuit. Alors, le lit, il se trouve ici. On a le mur invisible, pour l'instant on ne peut pas se coucher. Par contre, c'est moi où il y a une araignée près de chez nous. J'arrête pas de l'entendre, ça me fait très très peur. Elle doit être en dessous, je pense. Ouais, elle doit être... Elle doit être dessous. Allez, dépêche-toi de faire nuit. J'aimerais bien faire une petite dodo. Allez. Ah oui, d'ailleurs ici j'ai plein de trucs, j'ai plein de stuff de ouf. Protection 3... Protection 4, on va garder la protection 4, je pense. Allez, fais dodo. Tiens, d'ailleurs, ouais, faudrait qu'on voit ça pour les stuff. On va voir ça. J'ai du protection 4 en fer. Bah écoutez, on va prendre le protection 4 qui va être mieux que le diamant. Et voilà, c'est bon, on fait dodo. Avant que les mobs spawnent. Tac, alors on va vérifier notre stuff là, vite fait. Là j'ai du protection 4, là j'ai pas de protection, là j'ai rien. Alors j'ai pas de torse, j'ai pas de bottes vraiment. Là j'ai des pantalons, des torses. Tac. Ok, bon bah écoutez, rien d'intéressant. Il va me falloir une deuxième épée, on a dit, donc je vais en faire de préférence. Tac, les sticks se trouvent être ici. Hop là, ça, comme ça, et voilà, une deuxième petite épée en fer des fois qu'on casse la nôtre. Alors, donc du coup, c'est parti, on a eu un Enderman qui nous a fait coco.
Donc on va aller commencer ce donjon. Et on va s'installer dedans tout simplement. Et ça va être très l'épicness. Tac. Alors. Bon, bien sûr, d'abord il y a tous les mobs autour. Oula, oula, il y a du pipo ici. Bonjour, 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 bonjour. Aïe, 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 aïe. Ok, non, vois pas. Ok, fuck you. Ok, ça c'est fait. Aïe, aïe, aïe. Non. Okay, non, toi meurs. Pourquoi t'es ralenti comme ça? Ok, c'est bon, t'es un idiot. Toi aussi, meurs. Meurs. Ok, ça c'est fait. J'ai 25 niveaux quand même, ce serait con de les perdre. Ok, là on a les archers qui sont ici de nouveau. Aïe, 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 aïe. Non ! Stop ! Aïe ! Non ! Aïe ! Wow ! Wow ! Aïe, meurs ! Non ! Ok, plus que un. Aïe. Ah. Ok. Phew. Ça, c'est fait. Alors, donc, maintenant. Toi. Aïe. Mais qu'est-ce que vous avez à me taper? Bon, après, c'est un peu moi qui vous attaque, je dois dire. Ah. Ah. Me fais pas peur comme ça, non. Aïe. Aïe. Oh, encore des trucs de land. Oh bah, il y en a plein, dis donc. Il y en a beaucoup. Et arrêtez les archers. Non. Ne me tirez pas dessus. Ok, alors. Il y a mon petit frère qui tape à ma porte. C'est dérangeant, je dois dire. Alors. Ah ouais, mais par contre, il va me saouler. Alors, donc du coup, on peut pas récupérer les flèches. Bon, il faut qu'on rentre là-dedans. Oh, toi, t'es descendu. Bonjour. C'est bien, en fait, ça m'arrange que vous descendiez, comme ça, vous éliminez plus facilement. Ok, ça, c'est fait. J'ai pas de hache. Il va falloir que je rentre là-dedans comme un barbare. Bonjour, ça vous dérange pas, hein, je... Ok. Ok. Tac. Ok, ça, c'est fait. Allez, viens là. Viens là! Ok, ça c'est fait. Alors. Ah, je vais peut-être manger un morceau avant. Avant de rentrer, il risque de me faire défoncer. Hop là. C'est parti. Hop, impeccable. Alors. Où est-ce qu'ils sont, les guerriers? Qu'est-ce que ça ouvre, ça? Je n'en sais. Oh fuck. Je me sens tellement deg. Ok, toi, qu'est-ce que tu fais du sneak derrière cette porte? Voilà. Ah! Ils sont où? Une armée! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh non! Non! Oh non! Oh non! Oh my god! Ils étaient un petit peu beaucoup. Il va me falloir du stuff là. Faut que j'y retourne. Mais je peux pas y retourner comme ça quoi. Alors, on va prendre l'épée en pierre que j'avais ici. Et c'est parti. Parce que je peux pas y aller en n'étant pas armé. Je vais me faire défoncer, tout simplement. Donc, du coup, on prend ça. Et on les redéfonce. On va jouer un petit peu plus stratégique, du coup, étant donné qu'on a des mecs full fer qui peuvent ouvrir les portes. Ouais, on va y aller vraiment stratégiquement et pas foncer dans le tas comme j'ai fait. Ok, où est-ce qu'ils sont? Allez, viens, bratard! Allez, bratard! Allez, allez, allez! Non, 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 non! Non, non, par contre, vous me tuerez pas. Ok, je dis ça, je sens que je vais mourir. Ok, non. Ok, ouais, ouais, c'est ça, c'est bien. Prenez vos popos, tranquille. Prenez vos popos, moi, je vais me régénérer tranquille de mon côté. Hop là. Tac, alors. Mon épée en fer, mon casque protection 4. Ça. Ok, ça, là. J'ai pas encore récupéré mes bottes, mon quiver. Faut que j'aille les récupérer, d'ailleurs. C'est parti, on va re-rentrer, on les tue. Ok, par contre ils sont plus vite du coup. Ils ont plus les popos. Ok, allez toi. Allez, meurs, 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 meurs. Allez, hop, let's go. Terminé. Ok, je vais prendre une petite popo. Enfin, trouver de la bouffe. Ok, un peu de fer. Faudrait que je trouve un endroit où ils ont mis ma nourriture. Enfin, où elle est tombée. Et là j'ai mon quiver.
Ok, ok. Oh non, 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 ils sont beaucoup. Là, ici, il y a mon stuff. Wow! La moitié d'un cœur. La moitié d'un cœur. Ok, 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 ok. Oh my god, ce donjon! Ce donjon! Waouh! Faut que je mange. Y a pas moyen. Ok, c'est bon, il est mort. Mes bottes en chaîne, elles sont là, elles sont bientôt pétées d'ailleurs. Ça là, ça j'en ai pas besoin. Diamant, la bouffe. Alors là, ça va être très très hardcore. Hein. Ce donjon est vraiment très 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 difficile. Il va falloir qu'on gère ça. Ouais, vraiment qu'on gère bien le truc. Sinon, on va se faire tuer. Alors déjà... Je vais le tuer, lui. Voilà. Apparemment, il ne m'attaque pas s'il ne me voit pas. Peut-être un bug du jeu, tiens. Ça s'appelle peut-être du use bug, ça. En tout cas... Ah, toi, par contre, t'es un petit peu plus malin. Aïe! What? Pourquoi il m'attaque pas? Pourtant je suis en forme de moi-même. Bah ouais, parce que lui il m'attaque. Ça c'est le seul. Ok, bon bah t'es mort toi. Voilà, alors. Bon bah du coup, tranquille quoi. Allez, meurs toi aussi. Celui avec le bouclier, c'est celui-là. Ok. Ok, c'est bon. Il m'attaque. Ok, il m'attaque tous en fait. Ok, c'est soit tous, soit rien en fait. Allez, meurs toi. Non, 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 non. Tu me tueras pas. Tu me tueras pas. T'as plus que 4 points de vie. Ok, ça c'est bon. C'est bon. Allez, viens là. One versus one. Oh yeah, je gagnais mon gars. Ok. Bon, maintenant on va monter en haut de ces... What the fuck? Oh, ok, bah je monte pas. Par contre, il va me falloir du charbon, il va me falloir des torches, chose que je n'ai pas. Donc il va falloir qu'on aille en chercher. On va poser cette porte ici. Elle n'a absolument aucune utilité pour le moment. Alors donc c'est parti, on va aller chercher des torches vite fait. Bon, on va en profiter pour redéposer notre stuff en passant, hein. Bien sûr. Donc c'est parti, on fait ça. Hop là. Tac. Alors, les armures. Tac, 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 tac. D'ailleurs, j'ai toujours mes boots. Ouais, j'ai toujours mes boots, mais elles vont pas tarder à péter. Le fer. Bah, l'épée en pierre, tiens, on va la déposer au passage. Ça. Ok. Des torches. Alors, il me faudrait quelques torches. Je n'en ai pas, donc du coup, je vais en crafter un peu. Voilà. De bois que j'ai récolté chez l'ennemi. Voilà, quelques torches, juste histoire d'y voir un petit peu plus clair. Donc, il va commencer à faire nuit, ce qui risque d'être assez problématique, je dois dire, mais ce n'est pas bien gênant en fait, vu qu'on sera dans le donjon et que ça spawnera pareil, qu'on soit dedans ou pas. Alors, enfin, qu'il fasse nuit ou pas, je veux dire. Sinon, ça serait, ça serait totalement illogique. Alors, donc c'est parti, on va rentrer dans ce donjon. Hop là. Alors, déjà, on peut voir que nous avons un bébé zombie. Et qu'il va me casser les pieds. Ok, on peut voir qu'il y en a un deuxième. Et qu'il y a mon petit frère qui pleure et que je reçois des messages sur Skype et que c'est l'anarchie la plus totale. Alors, je vais me mettre en ne pas déranger sur Skype. Sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Hop, voilà, c'est bon. Tac, alors. Qu'est-ce qu'on a par là? Bonjour. Ok, par contre ils sont... Non, non, non. Non. Wow. Aïe. Vous êtes con, coincé. Allez, meurs.
Ok, ça c'est bon. Ok, toi. Non! Don't touch me! Don't touch me! Ouais, ouais, c'est ça, c'est bien de prendre une popo après, mais c'est trop tard. Il y a déjà trop. Oh! Un Enderman! Oh, mais on voyait de Gagen! Bon, on n'aura plus qu'à piller ça. Il n'y a pas un passage secret. Non, il n'y a pas de passage secret, malheureusement. Alors, bon. Oh mon dieu, mais ils sont 10 000! Ouais, bah écoutez, là je vais me faire défoncer si j'ai d'attaque. Donc moi ce que je pense, c'est qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je vais vous laisser en petit suspense, comme ça vous verrez comment je vais faire pour les attaquer tout ça. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si ça vous a plu, bien n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Sur ce, eh bien allez, salut à tous, c'était Oxylac et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.